Assurance Work Overseas. Ici, dans cette vidéo, j'aimerais simplement vous donner un petit conseil si vous envisagez de partir en tant que jeune au pair par vos propres moyens. Donc, petit conseil, vérifiez l'identité des familles d'accueil avec qui vous avez échangé de manière un peu plus approfondie avant de partir. Donc, pour cela, une astuce, il y en a d'autres, mais vous pouvez tout simplement taper le nom de la famille d'accueil dans Google et vérifier que les informations qui ressortent vont correspondre à celles qui sont données par la famille d'accueil. Notamment, vous pouvez certainement accéder au profil Facebook et au profil LinkedIn. Donc, si vous ne trouvez aucune information, peut-être essayez de creuser un peu plus. Généralement, les familles d'accueil, quand on tape leur nom, on va trouver quand même des informations, donc ce qui va permettre de vous rassurer, vérifier l'emploi, vérifier la situation géographique, la situation, les enfants. Donc si en majorité les informations correspondent à celles qui vous ont été données, cela ne signifie pas que c'est une famille parfaite, mais cela signifie que c'est une vraie famille et ce n'est pas, par exemple, une arnaque ou quelqu'un qui cherche pour quelqu'un pour le compte de notre famille. Bon, peu importe la raison, mais voilà, ça vous permettra déjà de vous rassurer et de savoir que vous partez dans la bonne direction. Donc, je vous conseille d'appliquer cette petite astuce toute simple une fois que vous êtes en contact avec les familles d'accueil avant de partir. J'espère que cela pourra vous aider. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.